Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc ça y est, moteur 2.2 litres sur son support. Donc pour voir toutes les informations au niveau du démontage des accessoires qui a eu fait dessus, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, que je vous rajoute dans la barre d'infos. Donc c'est une vidéo qui a concerné un petit peu tout le démontage de ce qui est en périphérique quand j'ai reçu le moteur, donc avec la boîte, volant moteur fixe avec cambrayage neuf. On peut se rendre compte que la distribution était neuve aussi. Donc pourquoi refaire ce moteur? Bah, c'est tout simplement pour remettre dans le 807 2 litres de HDI que j'ai devant, distribution cassée. Donc ici on est donc sur du DW12 et type moteur on est sur du H4, non du 4HW, pardon. 4HW. Voilà. Donc pourquoi refaire ce moteur? Bah, tout simplement parce que c'est un moteur qui est resté dans son compartiment sur le véhicule pendant 3 ans. Alors, entre-temps, bah, les injecteurs ont été démontés, sauf un que j'ai réussi à avoir. Donc, le problème, c'est que la baie de pare-brise était démontée. Donc, je pense qu'il y a eu, enfin, je pense, j'ai une surprise. Donc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accumulation, il y a eu beaucoup d'accumulation d'eau au niveau de la culasse. Je vous fais voir ça tout de suite parce que justement, quand j'ai retiré l'injecteur, bah, j'ai une surprise tout à l'heure en faisant tourner le moteur. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà, je vous fais voir vite fait l'injecteur qui était resté en place. Donc on peut bien s'apercevoir. Bon, là j'ai essuyé un petit peu, mais bon, voilà. Pourtant, ils avaient bien tapé dessus pour l'avoir, mais ils n'avaient pas réussi à l'avoir. Donc j'ai réussi à l'extraire comme d'habitude avec mon extracteur. Donc je vais vous faire voir la surprise que j'ai eue tout à l'heure en faisant tourner mon vilebrequin. Je vais essayer de ralentir la rotation. Voilà. Hop. Donc voilà, le but maintenant, bah, c'est de se dépêcher pour voir les dégâts au niveau des cylindres. J'espère qu'ils ne seront pas trop rouillés. Donc c'est parti, on dépose tout ce qui est partie distribution. Ensuite, j'enlèverai la pompe HP. Et après, je ferai un nettoyage complet du bloc. Un premier nettoyage. Et on a quand même pas mal de bouts de verre, tout ça, qui sont sur l'extérieur du bloc. Donc je vais faire un premier nettoyage de tout ça. Puis on se retrouvera pour le déculassage. Donc c'est parti. La bête a bien sa place, donc de ce côté-là, c'est déjà une bonne chose. Donc je change d'angle de vue, on va faire la pompe HP tout de suite. Alors la rampe Common Rail,
Donc voilà, on a déjà dégrossi un maximum. Donc prochaine étape, bah, le déculassage pour voir les cylindres. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais hors caméra, je vais nettoyer tout le bloc déjà un petit peu. Donc pour ce faire, bah, j'ai pris un nettoyant jante et un nettoyant moteur à pulvériser. Je vais faire un premier nettoyage. Je vais sûrement enlever le filtre et son support, le capteur hors caméra. Donc je vous ferai comme d'habitude une petite vidéo pour les spéciales abonnés. Et puis on se retrouve pour la culasse. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on reprend les choses sérieuses. Donc couvre-culasse en deux parties, une en plastique, une qui fait palier d'arbre à cames. Donc la partie la plus compliquée ici, ça va être retirer les goujons de bride d'injecteur. Sinon, en ce qui concerne le couvre-culasse en plastique, il n'y a pas de souci. Donc il y avait longtemps que j'avais sorti ma petite déboulonneuse, donc du coup j'en profite. Voilà. Donc on va commencer par le tendeur de chaîne. Voilà. Donc prochaine étape maintenant, on va se concentrer sur nos goujons de bride d'injecteur. Donc pour ce faire, il va falloir utiliser des écrous et contre-écrous diamètre 7 que vous trouverez dans le commerce. Et on va se servir aussi par la même occasion de l'empreinte Torx qu'il y a sur le dessus. Voilà, on va se servir vraiment des deux pour les débloquer parce que sinon c'est très pénible à avoir. Donc voilà, bonne nouvelle pour moi, bah, j'ai les goujons de bride qui viennent tout seuls, donc c'est très rare. Donc je viens de faire le contrôle de tous, ils viennent. Donc je vous fais voir quand même la méthode si vous êtes embêté avec les vôtres. Donc deux écrous, donc diamètre 7, donc c'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc si vous n'avez pas ça dans votre caisse à outils, vous inquiétez pas, c'est vendu dans le commerce, vous avez ça par petit sachet de 10. Voilà, donc vous mettez vos deux écrous. Vous descendez assez bas quand même, pas trop parce qu'il faut savoir les attraper après à la clé. Vous faites un blocage, donc contre-écrou, écrou. Voilà. Vous placez votre clé sur l'écrou inférieur et vous prenez quand même en plus l'empreinte étoilée. Et en même temps, avec les deux clés, vous faites une rotation pour dire de débloquer votre goujon. Puis après, vous pouvez finir avec l'empreinte étoilée. Donc moi j'ai beaucoup de chance, ils viennent tous, donc c'est très rare. Pourtant les 2 litres, c'est pas le premier que je démonte. Si vous utilisez que cette empreinte étoilée que vous forcez, vous allez la casser et après ça devient vraiment compliqué pour les avoir. Donc essayez de les garder dans le meilleur état possible et vous aider avec les écrous. Voilà. Vaut mieux avoir deux appuis qu'un seul. Et si avec ça ne fonctionne toujours pas, que les écrous se desserrent, faudra faire des petits points de chauffe. Faire des petits points de chauffe au niveau de la culasse pour pouvoir les desserrer. Donc moi du coup, un gain de temps pas possible. Si d'habitude, ça peut prendre entre une demi-heure et 3 quarts d'heure pour les avoir, le temps d'enlever les écrous, les remettre. Bon, voilà, là c'est déjà ça de gagné. Donc je les démonte tous, puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, une fois qu'on a retiré la partie la plus compliquée qui est les goujons de bride, il nous suffit juste d'enlever après les vis du couvre-culasse. Donc on va essayer de garder un sens de démontage en escargot.
Donc on n'oublie pas ici pour le couvre-culasse la vis étoilée qui maintient la petite tôle. Utilisez vraiment un bon embout parce que c'est une vis qui est montée au loctite et qui est compliquée à avoir. Vous avez de grandes chances d'abîmer la tête de vis et à partir de là, bah, être vraiment embêté. Voilà. Donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à décoller notre couvre-culasse. Alors vous avez des petites parties rigides où vous pouvez venir faire un petit levier sans endommager le plan de joint. Alors là j'ai l'arbre à cam qui est pris dans le couvre-culasse, c'est rare, en général il reste en bas. Alors je vais prendre les deux. Voilà. Sûrement à cause du joint, voilà. C'était à cause du joint SPI. Donc je débarrasse tout ça. Donc voilà. En arrière-plan, vous pouvez voir ici les linguets. En dessous, vous avez les poussoirs hydrauliques. Donc pour l'instant, je ne vais pas les démonter. Je vais les laisser sur la culasse. Je vais déplacer la culasse complètement. Donc je vais juste retirer les goujons de culasse. Comme ça, je vais vraiment avoir tout en un seul bloc. On peut se rendre compte que bah voilà, c'est un bon indice aussi que la culasse elle a pas beaucoup de kilomètres, enfin que le bloc n'a pas beaucoup de kilomètres parce que d'habitude ici bah, c'est super encrassé, il y a vraiment beaucoup de goudron et de saloperies. Bon, il y en a forcément, mais bon, on se rend bien compte que c'est pas comme d'habitude. Voilà, quand on a des moteurs qui ont 200 000 ou 300 000 km, ici c'est vraiment, vous avez une épaisseur incroyable, même au niveau des conduits, là ça reste propre. Donc je prépare de quoi tout simplement retirer les goujons, puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour le déculassage. Donc on va faire le sens contraire du serrage. Bon, d'habitude je me trompe toujours, mais bon, j'espère que cette fois-ci ça sera bon. Donc voilà, c'est maintenant qu'on a la surprise des cylindres. Alors j'espère que ça va coller quand même. Il n'y a pas beaucoup de prise pour la décoller, la culasse. Donc je vais remettre vite fait l'écrou pour pouvoir tourner un peu le vilebrequin. Je vous ferai voir après, on a le deuxième cylindre qui est bien rouillé quand même. Donc voilà, premier cylindre, pas de cote, rien. On a un cylindre qui est plutôt propre, des têtes de piston franchement nickel. Deuxième c'est plus ou moins bon aussi. Par contre le troisième et le quatrième, c'est ceux qui ont pris le plus l'eau. Alors celui-ci ça va plus ou moins dans l'ensemble, donc le quatrième. Donc on voit bien que les têtes de piston n'ont vraiment pas beaucoup de calamés, donc c'est vraiment un moteur, je reviens dessus, c'est vraiment un moteur qui n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc s'il m'embête plus, c'est le troisième et le quatrième cylindre qui sont vraiment encrassés. Donc c'est seulement après un bon nettoyage que je vais pouvoir vraiment voir si on peut y remettre un jeu de segment neuf.
Donc voilà, on pourra vraiment se faire une idée finale quand j'aurai passé un coup de. Bah, vous voyez, c'est ce petit système de pierre qui va faire venir nettoyer le cylindre. Donc je crois que celui-là il est trop petit. Si, en général, celui-là c'est pour tout ce qui est moto, tout ça. Donc c'est un peu trop petit. Donc je vais m'équiper d'un modèle plus grand. On va faire un bon coup de nettoyage des cylindres et je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc prochaine étape, c'est la dépose du vilebrequin et des pistons. Pour pouvoir moi nettoyer le bloc, le préparer avec. Bah, dès que j'aurai reçu les nouveaux patins, on pourra passer un coup de pierre dedans. Et je pense que ça sera reparti pour 100 000. Allez, à tout de suite. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Donc hors caméra, j'ai préparé un peu la culasse. Donc j'ai démonté tous les accessoires qu'il y avait dessus. Donc les goujons, les bougies de préchauffage. Je l'ai passé aussi à la fontaine de lavage. Donc j'ai déjà un résultat super correct avec rien que la station de lavage. Donc là je la prépare pour le bac à ultrasons. Donc j'ai démonté les 4 bougies de préchauffage, les différents goujons. Vous avez ici dans l'huile mes poussoirs hydrauliques, mes linguets. Donc ils sont tous en bon état. Puis la visserie qui va passer au nettoyage aussi. Voilà. Puis aussi le cornet de retour d'huile, enfin de vapeur d'huile. Voilà. Donc je vais faire avec vous les 3 premières soupapes et ensuite bah, je démontrerai le restant puis on se retrouvera au moment du passage au bain. Donc le portique bah, c'est le même que j'ai utilisé pour la Twingo, maintenant c'est ce que j'utilise quand je suis à l'établi, ça va super bien. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà, pour moi c'est la partie la. Enfin, pour moi c'est la façon la plus rapide de démonter les ressorts de soupape. Bon, je démonte la potence, je stocke les soupapes dans l'ordre et puis il n'y a plus qu'à. Hein. Donc voilà, les soupapes sont démontées. Alors je les ai mis sur un bac en plastique, hein, repéré. Donc côté distribution, l'échappement, l'admission. Puis à l'intérieur, bah, j'ai mis bah, tout ce qui concerne nos soupapes. Donc on a les ressorts, on a les linguets, on a aussi les poussoirs hydrauliques. Et on a dans le fond les petites demi-lunes d'arrêtoir. Comme ça, je suis sûr de rien perdre. Voilà. Prochaine étape, le bac à ultrasons. Et on fera le point quand elle sortira du bac. Voilà, j'ai retourné le moteur. Donc pendant que la culasse elle est au bain à ultrasons, nous on va démonter le carter d'huile. L'ensemble vilebrequin, bielle et piston, ainsi que la pompe à huile, afin de nettoyer le bloc et le préparer pour les nouveaux segments et puis pour toutes les nouvelles pièces qui vont arriver. Allez, c'est parti. Alors, je vais d'abord débloquer le carter d'huile, si c'est quand même des BTR qui sont assez fort serrés. Et je finirai ça à la clé à choc. Alors pourquoi pas directement à la clé à choc? C'est parce que j'ai pas de.
d'embout BTR qui va sur ma grosse clé à choc, et si j'ai peur que si je l'utilise tout de suite, bah, je casse mon réducteur. Tandis qu'à la main, je peux quand même doser un peu l'effort. Donc, on va décoller le carter, donc toujours pareil, il y a des petits points force sur le carter. Donc voilà. Bon, je peux se rendre compte qu'il y a quand même de l'eau qui est arrivée dans le bas moteur. Donc je ne vais pas garder le carter d'huile parce que je vous fais voir. Il a déjà été ressoudé. Alors il a été ressoudé ici et là je pense. Donc du coup, j'espère pouvoir récupérer celui du moteur qu'il y a dans le beige, donc dans le 807 beige. Pas belge, hein, beige. Voilà. Donc tout ça, ça aura besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc c'est parti pour le carter de protection pour du pignon de chaîne de pompe à huile et aussi bah, le carter de support de notre joint SPI vilebrequin. Donc voilà, ici on peut se rendre compte qu'on voit notre chaîne de pompe à huile, la pompe à huile ici, et son pignon d'entraînement monté avec une clavette. Alors apparemment il y a quand même pas mal de battements sur la chaîne de pompe à huile. Alors il faudrait que je vois s'il y a une tolérance ou pas. Voir si on doit remplacer ou si c'est vraiment aussi flasque que ça. Laissez la égoutter la pompe. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que la pompe à huile était fixée sur un ensemble ici qui n'est pas sur le delite. Donc si vous avez vu les vidéos du delite HDI, cet ensemble de masse d'équilibrage n'est pas sur le delite. Il est spécifique au delite 2 et je crois, si je dis pas de bêtises, à certains delites HDI. Donc je vais voir la motorisation exacte si c'est monté sur le delite. On reviendra plus en détail sur son fonctionnement à l'établi quand j'aurai démonté. Alors, ce sont tout simplement deux arbres d'équilibrage qui fonctionnent avec la rotation du moteur. Donc, je reviendrai plus en détail là-dessus. On va faire la dépose. À savoir aussi qu'il y aura un outil à fabriquer pour pouvoir aligner les deux masses d'équilibrage parce qu'on ne peut pas les remonter comme ça. Il va falloir les aligner comme une distribution. Donc, il va falloir les piger. Donc je vais fabriquer l'outil qui va venir piger ces deux masses d'équilibrage. Donc voilà les amis, nous nous retrouvons quelques jours plus tard. Il fait même un peu frisqué, j'ai rajouté le bonnet. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu vous rendre compte que j'ai fabriqué l'outil qui est nécessaire pour le verrouillage des deux arbres d'équilibrage. J'ai enlevé le moteur de son support pour pouvoir remettre le volant moteur. Donc pourquoi? Bah, tout simplement, avant de poser l'outil, bah, faut repiger le vilebrequin. Donc du coup, on a besoin du volant moteur. Donc j'ai remonté le volant moteur, je l'ai pigé ici. Alors je sais pas, j'ai utilisé une fois un forêt, hein, je me suis pas embêté à ressortir le coffret. Donc j'ai verrouillé mon vilebrequin pour pouvoir mettre en place l'outil. Donc ici avec deux ergots qui vont verrouiller les deux arbres d'équilibrage et une petite fixation qui empêchera justement le verrouillage des arbres de se libérer. Donc à partir de là. Voilà, je mets en place mon outil. Je vais venir verrouiller ce dernier. Voilà. Bon, un petit coup de clé quand même.
Voilà. Donc c'est bon. Je relève, maintenant que je sais que l'outil est en place par rapport à mon point de vilebrequin, je vais le remettre sur son support et on se reprend après pour déposer nos arbres d'équilibrage. Allez, à tout de suite. Donc voilà, maintenant que le moteur est revenu sur son support et puis que nos masses d'équilibrage sont verrouillées par l'outil, bah, je vais pouvoir les démonter. Bon, j'ai enlevé que les vis extérieures. Voilà, je vais ouvrir une petite parenthèse sur ces cales. Donc, en dessous de l'ensemble des arbres d'équilibrage, vous avez des cales d'épaisseur, donc qui sont très importantes. Donc, si comme moi, vous reprenez votre ensemble bloc moteur avec vos masses d'équilibrage, ça ne posera pas de problème, vous remettez vos cales. Mais par contre, si vous prenez un ensemble d'arbres d'équilibrage d'un autre moteur, il va falloir calculer l'épaisseur de ces cales, qui sont très importantes. Donc, je vous mettrai en lien dans la description la méthode à suivre pour pouvoir calculer l'épaisseur de ces cales et les outils qu'il faudra aussi nécessaires, parce qu'il vous faudra encore plus d'outillage que le bloc arbre que j'ai fait. Il va falloir un support de comparateur, enfin bref, il y a toute une méthodologie à respecter, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc bien faire attention à ces cales. Donc voilà, on arrive dans la dernière ligne droite pour nos pistons, enfin, je vais dire, comme ça après on va pouvoir s'occuper des cylindres. Donc on va faire comme d'habitude, je vais démonter tous les paliers, je vais démonter les chapeaux de bielle, et puis après il n'y aura plus qu'à déposer le vilebrequin, puis déposer les pistons. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour le démontage, enfin la dépose du vilebrequin. Donc on a déjà desserrer toutes les vis qui maintiennent cet ensemble. Donc voilà, moi les paliers sont déjà repérés. Donc toujours le premier cylindre côté volant moteur. Donc 1, 2, 3. Donc un petit coup de pointeau pour repérer les chapeaux de bielle. Et sinon pour ce qui est du palier de vilebrequin, bon bah ils sont numérotés. Allez, c'est parti pour le bébé. Bonjour, Spi. Voilà, voilà. Les cales de jeu latéral de vilebrequin. J'en ai une là et j'en ai une ici. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à sortir les pistons.
avec les chapeaux de bielle à leur place. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais dans l'ensemble, les cylindres, ça va. Un coup d'alésoir et je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà, nickel. Donc, prochaine étape, hors caméra, je vais nettoyer tout le bloc, tout préparer, mettre en peinture. On se retrouvera pour la partie alésage des cylindres. Je vais nettoyer mes pistons, mes bielles, tout ça. Commander tout ce qui est coussinet, segmentation. Et on se retrouvera sûrement pour le remontage. Voilà. Allez, à très bientôt. Donc voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette première vidéo sur la réflexion du moteur 2 litres de HDI, donc ici le DW12. Comme vous pouvez constater derrière moi, j'ai commencé à nettoyer tous les différents organes qui constituent le bloc moteur. Dans la prochaine vidéo spéciale abonné, ça sera la préparation du bloc, donc le dégraissage, le nettoyage, la mise en peinture du bloc. Donc je vous ferai ça pour une vidéo spéciale abonné. Si vous êtes intéressé, il vous suffira d'aller la voir. Sinon, nous, on se retrouve pour la suite du réflexion moteur, pour tout ce qui va être remontage et réglage et différents contrôles à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être averti quand les autres vidéos sortiront. Sinon, je vous dis tout simplement à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien. Allez, à bientôt.